offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon vendredi. Un vendredi qui commence avec un temps qui est dégagé à variable, une température extérieure à 15 degrés, une température de l'eau à un petit 19 degrés, une marée qui est actuellement en train de monter, le plein haut est à 11h, des coefficients de 61. Sur cette marée montante, le vent est offshore avec un secteur nord-nord-est, faible à modéré, 1 à de Beaufort, le plan d'eau est ridé, à un peu de clapot, les phases de vagues sont assez lisses. Et on a cette houle qui est longue avec 11 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à ouest. Une houle qui est multipique et en atténuation, donnant un déferlement régulier à 1 mètre. Sur les séries régulières, il y a 1 m 20, 1 m 30 et de temps à autre, mais très très rare, il y a un petit 1 m 50 qui pointe le bout de son nez. Bon, il y a des vagues à attraper, des vagues qui sont un peu multipiques, un peu sectionnées, mais qui sur les meilleurs bancs de sable proposent quand même des ouvertures. Il y a quand même de quoi glisser, il y a déjà quelques personnes à l'eau, mais c'est déjà un peu altéré par le vent. Et ça sent une bonne prise du vent de nord. Pour cet après-midi, l'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle en atténuation. Et donc ce vent de nord qui va se renforcer. La bouard cachant est à la baisse à 1,70 m et 8 secondes. On attend à 13h 1,20 m. Houle ouest-nord-ouest à ouest, 11 secondes de période. Vent de nord-nord-ouest à 2 Beaufort. Et à 17h 1 m, encore un petit 1,20 m par moment. Ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période. Vent de nord-nord-ouest 3 Beaufort. Le meilleur créneau, c'est quand même ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve à 11h30 pour le prochain bulletin. A tout à l'heure. Merci.